C'est peut-être un petit peu trop pour vous. Pour ceux qui le savent, j'ai décroché un contrat pour faire une série vidéo sur l'exploration minière et voilà, je suis présentement à Chappé pour réaliser ceci. Et le temps que je travaille ici, j'ai pensé à vous. Je me suis dit pourquoi pas faire un épisode, donc j'ai fait mes recherches sur Spotted Chappé. Et c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui ont répondu à l'appel. J'ai eu des commentaires, des messages en privé et une en particulier m'a retenu mon attention et c'était au sujet d'un cimetière autochtone. Donc voilà le sujet de ce soir, je me lance là-bas. Ah, je me suis trompé de chambre, je cherchais la chambre avec les 10 filles. Ah non, c'est pas, c'est pas ok. Ok, c'est bon. Voici Alex. Lui, il s'en va au bar, je l'accompagne pour une bière. Puis après ça, ben, moi, je m'en vais me tuer sa route en skate. J'ai croisé le gars de l'hôtel. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ah, ça, je vais en faire une vidéo la nuit. Il dit, c'est-tu toi qui rôde ailleurs? Je dis, ouais. Il dit, ben, dis-nous les dans ce temps-là. Il dit, nous autres, on pensait qu'il y avait des voyous. Parce qu'il disait qu'il y a des voyous. Tu sais ce que j'ai lu sur Spotted? C'est toi le voyou. Non, c'est moi qui m'ai capote, c'est mon fleur. Ça filme, là? Ouais. Si jamais je décède, je te lègue ma cam. Good. Mais j'ai confiance en moi. Lui, il va faire exprès. Tournez! Monde, il est tout ouvert. Il est tout ouvert, first. Ouais, deuxième question, il est tout ouvert. Ah, il est tout ouvert, il y a l'affiche. Tu vois, c'est pour ça que j'appelle ça les aventures rocambolesques. Je vais t'ouvrir la j'aurais porte. Pu mourir. Ah ouais? Ah, t'es sympathique. En plus, il est galant. C'est un bon vieux, ouais. Salut. C'est tout ouvert? J'ai en l'air, ouais. Ok. Ouais, la porte? Ouais. Bon Chappé. Bon, très achalandé. Ouais, ouais. Les gens se ruent pour boire. C'est ouvert? Santé. Santé. Je suis pas sorteux. Je suis juste à Chappé ce soir, mais je suis pas sorteux. Je suis pas sorteux, il est à 700 km de chez vous. Je suis vraiment loin de chez vous. Chappé, 1800 quelques habitants. C'est à peu près ça. Trois bars. Trois bars. Trois... Bon. Finalement, t'avais-tu un nom pour moi? J'ai entendu parler de la maison. J'ai les Berlinguettes, là. C'est intéressant à savoir. Il y a une fille qui m'a écrit là, à peine deux heures pour me dire ce nom-là. Qui? Jonathan Fortin, si tu m'entends. La vidéo va être prête. Tu parles une maison hantée? Mais moi, le seul hic que j'ai, c'est que j'entends des gens qui me pluguent à des, certaines personnes, mais j'ai aucun contact avec ces gens-là. C'est mon seul problème. Tu sais, je peux pas arriver comme. Excuse. Ah, ok, ouais. Ah, oh, c'est pas grave. Son frère est plus vieux, mais il est mort. C'est peut-être lui. Bon, je te quitte. Je m'en vais au cimetière autochtone. Ok, Jonathan, là, il est 11h20. On est samedi soir. Je te laisse tout seul. Ouais. Dans un cimetière autochtone sur le bord d'un petit village de 1700 habitants. Ouais. Il n'y a aucune lumière. Donc quelques rumeurs louches. Fait que j'espère que je vais te revoir demain. T'inquiète pas, tu vas me revoir demain à la job. Good. C'est bon. Je t'attends. Bonne nuit. Ciao. Salut. J'ai même pas commencé à filmer que. Tu sais, ici on est quand même nature, là. Il y a de la forêt à l'arrière. J'entends déjà des bruits, donc c'est tout à fait normal. Mais tu sais, quand t'es tout seul, à 700 km de chez vous, dans un endroit que tu connais pas, dans un cimetière autochtone, j'ai jamais mis les pieds là-dedans, je sais, ça a l'air cliché. Mais en tout cas, c'est quand même une ambiance différente de ce que je suis habitué. Ça prend pas de temps que le niveau de stress augmente.
Puis là, ce qui est fou, c'est qu'avec ma nouvelle lumière de survivaliste, on voit super bien, mais quand je me filme puis je vous parle comme ça, je vois rien. C'est le néant total autour de moi. Donc, je vais y aller seulement en vidéo, comme ça, on va avoir du plaisir à le découvrir ensemble. Puis par la suite, je prendrai quelques clichés, comme à l'habitude. Puis voilà, c'est ça l'aventure pour cet épisode. J'étais au skateboard. Je te laisse ici. N'aie pas peur. Je reviens. Je t'aime, tes pieds. Je te laisse ici. N'aie pas peur. Je reviens. Ah! Vous avez manqué ça. Ça commence très mal. J'ai eu de la misère à lever la jambe, puis j'ai eu une crampe à la fesse. Et voilà, je suis maintenant dans le semestre autochtone. J'ai failli pas me rendre. Donc on débute. Il ne faudrait surtout pas que je profane aucune pierre autochtone. Je pourrais être cursé. Je vais essayer de ramener quelques pierres. Pas des pierres, là, pas monsieur. Pas pierre, vous, monsieur, là. Et c'est parti. Donc, je vais commencer par vous chuchoter à la gueule. Donc, je commence sur le côté gauche du cimetière. Voyons voir ici. C'est le même principe que nos cimetières. Mais à une différence près. Si on peut voir. Vous voyez ça, c'est nouveau pour moi. Ce qui est pareil, c'est qu'ils mettent des fleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Ces gens-là, ils mettent des billes. Mais non, c'est pas des billes. Il fait noir, là, mais je prendrai le temps de voir c'est quoi rendu à ma chambre d'hôtel. Donc, d'après ce que je peux constater, c'est commun pour eux de mettre des... C'est pas une bille. Elle est ronde, mais le dessous est plat. Vous voyez, ici, on a même un cadeau au défunt. La différence entre... nos méthodes à nous et la leur, c'est que eux semblent y apporter plus d'amour. Honnêtement, là, c'est hors du commun, comme vous pouvez voir. Je trouve ça vraiment cool. On dirait un crib, une basinette d'enfant. Donc, c'est vraiment cool. J'aime bien leur façon de faire. Ici. Tu sais, regardez, c'est. Moi personnellement, je trouve ça vraiment beau, là. C'est une croix en bois, là. Pas besoin de payer des. Une fortune pour une pierre tombale. Il est quand même grand. J'ai des petits frissons qui me parcourent le corps. C'est quand même frais. Roland Langdon. Ils ont pas des noms si étonnants pour l'instant. Bertie, je sais pas trop quoi. Comme vous pouvez voir, celle-ci. Il y a beaucoup d'attention à porter, là. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de fleurs. Ça fait combien de temps que cette personne-là est décédée? Il continue de... régulièrement, je veux dire, là. Ah, ici. Non, encore une fois, il n'y a pas d'année de décès. Tu sais, la plupart, regardez ça, il n'y a même pas de nom. Attendez. Ah oui, il y a des trucs décrits ici. Et la lumière. Elle est trop forte, attendez. Regardez. Je peux y apercevoir une légère gravure dans le bois. J'ai l'impression de lire Jacob. J'arrive pas à lire tout. C'est de passer rapidement là, parce que
Les capsules deviennent longues, mais je trouve ça fascinant. Puis en passant, je me balance pour de vous, petits connards enculés de leur mère qui dislike mes vidéos. Je m'en balance, foutre le cul. Sérieux, je fais ça pour les passionnés, ceux qui aiment ça, voir des vidéos avec des sujets hors commun. Moi, j'ai pas vu ça, l'autre vidéo sur les cimetières autochtones. Hein? Forcez-vous, faites de quoi. Moi, j'essaie de vous divertir. Je peux vous dire le mot que au moins à quelques reprises. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'allez-vous faire? Puis le but, c'est que c'est cool, là. Sérieusement, c'est hot. Ici, c'est quoi? Ah, oh, wow. Je suis pas un profaneur, mais cet article-là m'intéresserait. C'est comme un espèce de petit tomahawk, mais c'est une hachette, là. Cool. Pour l'instant, c'est beau, c'est cute, aucun problème. Je ressens rien de particulier. Pour le moment. En fait, c'est un cimetière comme les autres quand même, tu sais. Ça fait plus peur. Je sais pas si vous voyez. Ça y est. Ok. Là, j'ai un petit peu plus peur. Parce que j'ai entendu un putain de bruit non plaisant. J'en perds les mots. Vous savez que si c'est une région où il y a beaucoup d'ours, on m'a averti de pas trop rôder la nuit pour les dangers. Je pense que je vais commencer à survoler plus rapidement. J'ai vraiment pas envie de me faire déchiqueter la gueule et d'être enterré ici. Mais j'aurais aimé ça trouver quelques pierres que je peux ramener. Pierre, arrête de penser que je vais me ramener Pierre. Mais il y a du bruit, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Je rigole pas. Ça semble pas petit non plus. Ok, j'ai vraiment la chair de poule. Là. C'est le premier rocambolesque où j'ai présentement envie de me pisser dessus. Là. Bon. Je me rapproche de la sortie. Reprendre mes esprits. Faudrait pas que ma lampe arrête là. Un truc que je veux vous dire. Par rapport aux croyances des Autochtones. Des cris en fait. Les croyances des cris. C'est les chamans. C'est que eux, par le biais des rêves, croyaient beaucoup en fait à l'interprétation des rêves. Les chamans s'en servaient pour savoir si les récoltes allaient être bonnes. Donc, plusieurs choses comme ça pour protéger contre les maladies, savoir si la pêche aussi, la chasse et la pêche allaient être bonnes. Ils ont beaucoup de croyances de ce genre-là côté chaman. Et il paraît qu'un chaman qui vieillit, qui prend du pouvoir, souvent les peuples crient qu'il n'y avait pas de chaman, ben, ils prenaient la personne qui avait le plus de connaissances religieuses. J'ai le goût de m'aventurer plus loin, mais j'ai la chienne, les amis. Là. J'ai vraiment entendu un bruit qui est pas cool. Pas côté paranormal. Là. Côté animal. Puis comme à chaque fois, c'est toujours ça. Pas peur d'un fantôme, j'ai peur de me faire déchiqueter par un ours. Si ça semble être une grande famille. Knee push. I'll fly away. Oh glory, hallelujah. Ouais, regardez ça. Je sais pas si vous voyez là. Il pourrait avoir un ours n'importe quand. C'est dangerous. My friend. Oh, je suis rendu loin moi là. Dangerous it is. But I'm okay with that. That's kind of creep.
Regardez, lui, ça devait être un chasseur. Il y a une balle de... ce qui semblerait une balle de 12. C'est cool, hein? Checkez ça, un pot de fleurs. Il est pris dans ça. Allen Kitchen. Je la ferai. Honnêtement, il est plus grand que je pensais. Ok, regardez-moi ça. Ça, c'est quand même assez creepy. C'est clair que c'est un enfant. Ça fait mon bonheur, juste cette image là. Les cris, évidemment, leur première langue, je me souviens plus du nom, mais c'est leur dialecte à eux. Et leur deuxième langue est l'anglais. Donc, oui, il y en a qui parlent français, mais plus généralement en anglais. Encore un enfant. Ah non, je l'ai vu, lui. Ok, là, sérieux, je capote. J'ai l'impression de tourner en rond. Je suis plus loin que j'étais. Pourtant. C'est comme si je respawnais toujours en même place. Une croix tombée. Cette croix-là, elle a été saccagée. J'accélère le pas parce que vous allez trouver la capsule vraiment trop longue. Puis quand je suis dans un univers le même, je fais comme un petit peu moins de jokes de sperme, surtout dans un cimetière autochtone. If somebody's ready to give me some sperm. Fallait au moins que je fasse une joke de sperme. Puis ici, ben c'est en anglais, fait que... Please, is there someone here that can give me sperm? You're giving me sperm. Give me some more sperm. Bon, on va regarder son sérieux. Vous avez un petit peu... vous avez eu un peu votre humour. Je suis un génie. J'ai trouvé ceci à cette pierre tombale de Kenny John. In the loving memory of Kenny John. Il y a du monde qui sont venus donner des potches ici hier, c'est quoi? Ah, il y a du monde qui sont venus donner des botches. J'ai fait le tour. Et j'ai une forte envie d'aller uriner. In loving memory, I found a Happy Jack. That's a really cool name. Look at that. Oh, je m'excuse, ma chère. Je m'excuse, je voulais pas plus vos fleurs. Pour une fois, il y a une date. Happy Jack. C'est vraiment cool comme nom. J'ai pas mal fait le tour. Maintenant, je vais prendre quelques photos avec mon trépied. C'est la 113, je viens juste d'arriver à l'extrémité de Chappet. Je me suis envenu comme un fou du cimetière autochtone jusqu'ici en skateboard avec tout mon équipement dans le dos, le trépied. J'ai pogné une craque, la mort, j'ai revolé, j'en ai perdu ma casquette. Je me suis un peu ouvert sur le côté du petit doigt, puis l'intérieur de la main. Comme vous pouvez voir, c'est rocambolesque à fond. C'est pas tout, je dois refaire le village au complet. Avant d'arriver à ma chambre pour nettoyer ma plaie. Savez-vous ce qui est cool à Chappet? C'est que les gens sont assez accueillants et sympathiques. Puis le gars de l'hôtel, je le croise
direct à l'entrée après vous avoir parlé de ma blessure. Puis ils m'ont emmené jusqu'ici. Ils ont du service incroyable. Faut que j'enlève la roche. J'espère que vous aimez mes aventures à Cambalès, ma gang de manger de merde. Ah ok, faut pas que je gratte ça, s'il vous plaît. Sur ça, j'espère que vous avez apprécié l'expérience. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça rend con, là, mais... C'est le mot cul à tour de bras, mais je mets des heures de fou. Au montage, peu importe, j'essaie de trouver des sujets intéressants. Tout ça pour que vous puissiez voir des nouvelles choses. Je vous partage mes passions, en fait. Donc, partagez, aimez. Partagez, pas juste aimer, arrêtez, faites-les. Petit dépravé, faites de quoi? À plus. C'était pas pire ce que t'as fait, sauf peut-être les 10 000 mots pénis que t'as dit dans ton vidéo. Mais pour le reste, ça va super, on aime bien ta pub. Un abonnement à vie de bon sens.